I think we need more investment. Je crois qu'il nous faut plus grand investissement pour que les acteurs puissent amener et pour prioriser la recherche. La recherche. Que constamment nous sommes à travers de l'élection débloquer le potentiel et je crois que nous continuons de le faire. Je ne veux pas perdre de vue cette recherche à long terme et en même temps intégrer les disciplines. Ce que nous faisons maintenant est notre capacité d'accroître notre capacité d'aider à la science et je crois qu'il y a une philosophie véritable autour de toutes les recherches qui se sont réunies. Ceci pourrait être un point de départ parce que nous verrons le problème pour ramener ensemble, pour que les producteurs coopèrent vraiment. Je me demande, maintenant, nous avons besoin d'un système beaucoup plus durable. Nous avons besoin maintenant de trouver des bétails qui produisent moins de méthane. Ce pourrait être la même tortilla, mais le blé, mais le maïs qui est employé est plus tolérant à la sécheresse maintenant. Alors, les consommateurs veulent vraiment un environnement et des aliments plus durables dans leur consommation quotidienne. Unissez-vous à votre prochain séminaire pour les catalysatrices du changement. Welcome to the Catalyst of Change for Women Leaders in Science Seminar Series. There is interpretation available in Spanish. Bienvenue à cette série de catalysatrices du changement. Nous avons l'interprétation simultanée. Pour avoir accès à celle-ci, vous pouvez choisir la langue de votre préférence en faisant clic sur le bouton de l'interprétation qui apparaît sur votre écran. Ce sera disponible sur le webcast du séminaire. Vous pourrez nous suivre en ligne sur YouTube et les réseaux sociaux en vous servant des hashtags Unite Science, Women in Science, pour assister à cette série de séminaires. Vous rendez le code QR qui vous donnera l'accès pour nous envoyer vos commentaires et les pressions que vous pourriez répondre aux questions lors de la séance de questions et de réponses qu'il y aura par la suite. Donc, nous parlerons de la recherche agricole. Sarah Moon-Chapotin, qui est directrice actuellement de la recherche. Après son intervention, nous aurons une conversation avec Sarah Hearn, qui est directrice du programme de ressources génétiques. Maintenant, je donne la professeur à notre exposant. Je donne la parole à Monsieur Bram Covert. Merci à tous ceux qui sont ici en ligne avec nous et certains de nos canaux sur YouTube ou là encore aujourd'hui. C'est un webinaire sur une série de séminaires sur les catalysatrices du change. Au CIMIT, nous tenons cette série de séminaires sur les femmes leaders pour réfléchir et comment devenir une organisation qui aurait des styles différents de leadership. Pour cela, il nous faut voir d'autres femmes leaders pour voir comment elles ont exercé leur leadership, comment elles sont devenues des catalysatrices du changement à travers pendant toute leur vie et ce qu'ils pourraient nous apporter. Nous parlons de femmes dans tous les genres de leadership possible. Dans le cas de CIMIT, nous avons également des conversations avec des leaders en dehors de chez CIMIT. Donc, nous mettons en œuvre toutes nos actions sur tous les champs que nous exploitons ici. Il y aura des leaders communautaires, des leaders d'organisations qui transforment notre système alimentaire et agricole. Et aujourd'hui, nous avons une catalysatrice du changement, sans doute, sans aucun doute. Le directrice exécutive de cette fondation, nous sommes les alliés de CIMIT, étant à parvenir à une transformation pour pouvoir donner accès aux personnes à des alimentations nutritionnelles, vraiment nutritionnelles. Elle se passionne pour le rôle de la recherche de l'agriculture et des défis à relever actuellement. Elle collabore avec des nations qui supportent des alliances incluant
science on issues ranging from climate change to food security. Elle nous apporte ce qu'il y a de mieux dans la science mondiale en matière de changement climatique, sécurité alimentaire, nutrition et productivité agricole. Avant de s'incorporer à la Fondation en août 2022, les différents postes au département d'agriculture aux États-Unis, l'Institut Smithsonian, le Jardin botanique des États-Unis, où elle était directrice exécutive, ainsi que l'Agence internationale pour le développement international, où elle a été administratrice assistante pour encourager les initiatives du gouvernement sur la sécurité alimentaire et pour alimenter à l'avenir. J'ai eu l'occasion de voyager avec elle en Inde et grâce à elle, ont été établis des pratiques de conservation agricole. Mais Shimit est devenue ainsi un allié plus incluant pour intégrer les principes de sa vision. Au début de ce chapotin, il a travaillé à l'Université étatique de l'Iowa, la question américaine pour l'avancement de la science, où elle a travaillé sur des questions de communication en matière scientifique, la sécurité nationale et biotechnologie agricole. Elle a fait des recherches en matière d'écologie forestière, l'écologie sur les arbres, à travers les États-Unis, au Madagascar et aussi en Amérique latine, en particulier en Costa Rica. Elle a la licence en biologie pour l'Université de Stanford et un doctorat en physiologie génétale, en physiologie végétale. Et nous avons aujourd'hui une catalysatrice du changement. Vous en serez convaincu d'autant plus à la fin de ce séminaire. Je lui donne la parole. Sarah, je te donne la parole. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez. C'est très un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous. Merci, Bram, de cette présentation. Je suis très contente d'être de retour chez CIMIT, comme le dit Bram. J'ai travaillé chez CIMIT pendant bien des années. Et en fait, je remercie l'alliance que j'ai eue avec CIMIT au cours des années. Je veux parler un peu sur qui je suis, comment je suis arrivée, où je me trouve et quelle a été ma trajectoire dans mon parcours comme leader. En ce moment, je me trouve et je reviendrai ensuite pour vous dire où je me trouve. Maintenant, je travaille pour la Fondation pour la recherche alimentaire et agricole et nous faisons des alliances privées et publiques pour surmonter la recherche en matière agricole et d'élevage. Nous travaillons dans le monde entier et nous tirons le meilleur parti des investissements du secteur public et nous tentons d'établir des alliances avec le secteur privé. Nous avons reçu des fonds du gouvernement des États-Unis. Donc, le mandat que nous avons reçu de la part du Congrès est que pour chaque dollar que nous recevons, nous devrons apporter un autre dollar aux fonds fédéraux. Mais jusqu'à présent, nous y sommes parvenus. Nous avons fait des apports dollar pour dollar, mais aussi de 1,40 $ pour chaque dollar reçu. Donc, nous avons atteint cet objectif grâce à l'investissement privé. Donc, ceci encourage la recherche en matière agricole. Vous savez le pouvoir de la recherche agricole pour pouvoir apporter des solutions à des problèmes et des questions que nous avons en matière d'agriculture, mais aussi la société dans son ensemble. Pendant bien les années que nous avons travaillé ensemble dans le domaine du développement, j'ai vu le rôle si important que joue l'investissement agricole dans la plupart des pays pour le développement économique. Comment je suis arrivée à la CGAR, la Fondation pour le développement alimentaire et agricole? Commençons par le commencement. J'ai commencé en Californie. Mon père était américain et ma mère française. Donc, depuis le début, j'avais des étangs internationaux. Donc, mes parents ont décidé de m'envoyer à l'école à la maison. Donc, nous avons tout appris à la maison et parfois aussi dans le reste du monde. Comment me suis-je intéressée à la science? Eh bien, je me demandais toujours comment serait une carrière en science en matière
scientifique. Je n'ai jamais vraiment eu un modèle professionnel, un modèle à suivre côté professionnel, parce que mes parents étaient assez alternatifs, si vous voulez. Donc, quand j'allais dans les musées, j'apprenais un peu ce qu'était la science, mais je n'avais pas de professeur dans la matière. Mais je me suis rendu compte de tout cela quand je suis allée à l'université. Si on me demandait comment tout se passait, tout ça, je voulais connaître ce domaine et je consacrais bonne part de mon temps à lire des livres scientifiques. Ceci a fait partie de ma première inspiration, mais en même temps, j'avais d'autres intérêts. Je m'intéressais beaucoup aux arts, les arts du cirque, comme j'ai étudié le trapèze, j'ai fait du trapèze. Tout ce que je voulais faire était grimper dans les arbres et se monter au trapèze. Alors, en adolescence, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Allais-je devenir scientifique ou allais-je devenir travailler dans un cirque? Je saurais peut-être travailler dans un cirque parce que tout ceci me plaisait beaucoup. Mais grâce à mon expérience à l'université, je trouvais la conclusion que je pouvais faire une combinaison des deux choses en étudiant les arbres. La première chose que j'ai fait à l'université communautaire, de ma ville. Ensuite, je suis allée à Stanford et j'ai fait une licence en biologie. Donc, j'ai travaillé sur le champ, mon biologue. À l'âge de 19 ans, aux États-Unis, la plupart des personnes finissent leur graduation à 22 ans. Moi, j'avais fini à 22. Donc, je ne vais pas la plus jeune. J'ai toujours été la plus jeune de la classe. Donc, j'ai étudié l'écologie forestière, les biologies du feuillage, des feuillus aux États-Unis, avant de revenir à faire une maîtrise à l'Université de Harvard où j'ai étudié la physiologie des arbres. Donc, j'ai fait une combinaison de mon désir de grimper dans les arbres et tout en déployant une activité scientifique. Donc, j'ai étudié la biologie des arbres au Costa Rica. Ma thèse a été sur les arbres bio-baobab. Je ne sais pas si vous les connaissez, ceux qui sont allés en Afrique les connaissent bien. Il y a 6 genres de baobab aux États-Unis ou Madagascar, où j'ai étudié leur philosophie, leur physiologie de ces arbres, les relations hydriques avec l'agua, comment ces arbres survivent dans des climats arides. Ceci a été une expérience merveilleuse et très intéressante. J'ai adoré étudier les arbres. C'est très, très difficile parce que je travaillais dans des régions très lointaines avec peu de connexion avec les laboratoires américains. Donc, je suis parvenue grâce à ma force de volonté parce que j'aimais toujours grimper dans les arbres. Lorsque je n'étais pas là, je me trouvais à Boston, au Massachusetts, à l'Université de Harvard. C'est une université merveilleuse. J'ai connu bien des gens. Mon expérience à Harvard, autour de moi, je n'avais pas beaucoup de modèles à imiter, en particulier des femmes qui auraient été des modèles à imiter, à suivre pour moi, des femmes qui auraient été professeurs et qui ont fait un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ces femmes travaillaient beaucoup même pendant la nuit. Il est très difficile pour moi d'exercer ce genre de vie ou ce genre de carrière. Je les considérais plutôt comme des exemples de ce que je ne voulais pas faire ou ce que je ne devrais pas faire. Parce qu'apparemment, j'avais l'impression qu'ils ne jouissaient pas de leur vie scientifique parce qu'il n'y avait pas tellement de professeurs femmes à l'université, membres du professorat. Donc, avant de m'accréditer, je me demandais qu'est-ce qu'allais-je faire pour le reste de mes jours. Je n'avais pas eu vraiment de grands exemples, à mon avis, parce que en grandissant, je n'avais jamais connu personne qui eût ce genre de vie professionnelle. Je vous dis tout cela parce que nous parlons souvent des mentors, de la capacité des jeunes de reconnaître des gens qu'ils pourraient considérer comme modèles. Mais en tant que femme, j'ai vu un grand nombre de femmes pendant mon développement et j'ai vu un grand nombre de femmes au domaine professionnel, à l'université. Mais lorsque j'étais petit enfant, je ne connaissais pas de modèle féminin avec qui j'aurais pu échanger des opinions ou communiquer. Donc, c'était moi qui pensais et réfléchissais
et tirer mes propres conclusions. Au Madagascar, ceci a été une expérience très formatrice pour moi parce que je me suis rendu compte de la pauvreté. J'ai connu ce qu'était la pauvreté. Je travaillais en matière d'agriculture, de la conservation. Je me rendais compte de que cette pauvreté et qu'il y avait une différence entre la pauvreté et l'agriculture de conservation. Je vois que la famille tentait tout simplement de subsister. Et sans, il n'y avait pas le choix de, en ce qui concerne la protection de l'environnement. Donc, lors de ma licence, j'ai décidé de faire une recherche, de travailler dans d'autres domaines où j'aurais pu avoir un plus grand impact au niveau de la société. J'ai décidé alors de me rapprocher d'autres domaines. Donc, c'était très, très important pour moi. J'ai mis des années à prendre cette décision d'abandonner le travail scientifique parce que j'adorais la science. Et je croyais que parfois, que j'aurais voulu travailler en microbiologie, planter des arbres, etc. Mais à ce moment-là, je n'avais peut-être pas vraiment la confiance nécessaire pour poursuivre mes recherches en tant que professeur en matière de recherche. Je n'avais pas eu beaucoup d'exemples à suivre. Je n'avais connu beaucoup de gens qui avaient un grand succès dans ce domaine. Bien des jeunes n'ont pas les compétences nécessaires pour ce faire. Voilà comment je me sentais. Je ne me sentais pas très compétente. Je doutais de mes capacités en tant que chercheuse. Si j'avais été des semaines, j'aurais peut-être eu un succès en tant que recherche si je m'étais poursuivi ma route en faisant sur cette voie. Mais j'ai décidé quand même de travailler, de continuer à travailler dans le sens, mais aussi dans le domaine du développement de l'administration des donations et de subventionnement. Donc, je suis allée à Washington DC à faire un travail en matière de politique. J'étais intéressée à la biotechnologie et l'agriculture. Je savais que j'étais scientifique des plantes, phytoscientifique, voilà ce que j'étais. Mais il me fallait obtenir un plus grand nombre, une plus forte expérience en matière d'agriculture. Je n'ai jamais étudié dans une école d'agriculture, une maîtrise en agriculture. Jusqu'à présent, je trouve qu'il m'a manqué quelque chose. J'ai une très bonne formation aux universités où j'ai assisté, mais je n'ai pas été vraiment exposée à l'agriculture. Plus tard, j'ai travaillé pour l'Agence pour le développement international aux États-Unis, qui est une dépendance pour l'assistance internationale du gouvernement américain. Ceci a fait avancer ma carrière en administration et de soutien pour la recherche agricole. J'ai travaillé au début en matière de biotechnologie dans ce genre de projet et ensuite, j'ai décidé de me consacrer à la recherche. Pendant un bon longtemps, j'ai été directrice du portefeuille de recherche de l'USAID et le docteur Gilbert a mentionné, et avec le sud-est asiatique, j'ai eu l'opportunité d'aider à une initiative des systèmes agricoles. Donc, c'était une grande expérience pour moi. C'est un programme formidable qui m'a. J'ai appris bien des choses sur l'agriculture, les agriculteurs et le rôle des hommes et des femmes dans la production agricole et d'autres domaines de l'agriculture. Il y avait que même quand il y avait une grande quantité de femmes qui travaillaient en agriculture, dans l'agriculture, il y a des femmes qui, dans le monde entier qui déploient ce genre d'activité, mais il y en avait peu dans le domaine de la science. En particulier dans les pays où je travaille, il y avait peu d'opportunités pour que les femmes suivent une carrière scientifique. Voilà, je me suis réfléchie là-dessus et j'ai pensé, si toutes ces femmes agricoles de productrices, comment nous assurer que la recherche que nous faisons tienne compte de leurs besoins, des besoins de ces femmes? J'ai vu comment on me traitait en tant que femme provenant des États-Unis. C'est un privilège pour moi de travailler pour une dépendance qui fournit des subventions, le financement. Et je me suis rendu compte que les femmes n'avaient pas les mêmes opportunités. Et même aux États-Unis, il en est ainsi. J'ai pu apprendre bien des choses sur l'inclusion des femmes dans les processus
développement. Et je savais qu'il y avait beaucoup d'affaires. C'est la USAID, considérait le genre en tant que priorité. Donc, j'ai eu l'opportunité d'apprendre et d'avancer en matière sur les règles qui mesurent comment ce que les femmes font en agriculture et comment accroître l'inclusivité de ces agences qui financent des projets à l'échelle internationale. Donc, en tant que femme scientifique, en tant que femme qui est impliquée dans la science, non pas directement en faisant de la recherche proprement dite, je n'ai jamais occupé un poste de chercheuse proprement dit. Donc, mais j'ai eu une chance énorme parce que j'ai l'opportunité incroyable quand même. Malgré tout cela, je me rendais compte que pour moi, l'âge était plus importante que le sexe. Toute ma vie, j'ai été la plus jeune dans tous les groupes où je travaillais. Avant de travailler à la USAID, on avait demandé d'embaucher des personnes plus jeunes. Donc, c'était presque toujours la plus jeune parmi mes pairs. Donc, à plusieurs reprises, comme j'étais la plus jeune d'un groupe, il arrive souvent qu'on ne nous prenne pas au sérieux. Peut-être c'est parce que j'ai une femme, mais j'ai eu l'opportunité de me rendre compte. Je m'apercevais que j'étais la plus jeune et je me rendais compte aussi qu'on ne me prenait pas toujours au sérieux. Et ceci a une influence sur ton travail et sur la confiance en soi, bien sûr. Voilà pour ça j'ai été très fortunée. Donc, j'ai eu des administrateurs administratifs, tant hommes et femmes, qui m'ont soutenue au cours de ma carrière. Je l'ai eu dans mes études de maîtrise, la USAID. J'ai eu des collègues très talentueux, très talentueuses. Donc, à la CGR, on m'a enseigné bien des choses concernant l'agriculture et l'alimentation et on s'est assuré que j'ai eu l'opportunité d'exercer de leadership et qu'on donne un crédit aux activités que je déployais. Une des personnes avec qui je travaillais à USAID s'assurait que l'on me donne les crédits qui me correspondaient. Et ces crédits étaient alloués lorsque quelqu'un était disposé à les partager. Si l'on tente de donner un plus empowerment aux personnes qui sont assignées un rôle de leadership dans le travail, le gouvernement des États-Unis m'a donné une bonne opportunité de devenir leader femme. Il y a des politiques conçues pour prévenir la discrimination. Il y a un grand nombre d'exemples de femmes qui, en fonction de direction et de leadership, ce que je n'avais pas vu si souvent dans le monde scientifique et de l'agriculture. Donc, j'ai pu tirer le meilleur parti d'un poste qui reconnaissait mon rôle de femme et que reconnaissait les femmes et les hommes pouvaient jouer des rôles de leadership et d'administration. Une bonne part des leaders étaient des femmes. Donc, dans mes voyages à travers le monde, j'ai toujours fait attention à la proportion d'hommes et de femmes qu'il y avait dans les différents groupes. Donc, en Asie, nous avons effectué une série de visites et parfois, au cours de ces visites, je me disais que j'avais connu 100 hommes peut-être et alors à peine une douzaine de femmes. Un nombre de ces femmes de travail travaillaient pour des organisations internationales, USAID, et non pas dans leur propre pays. Donc, c'est quelque chose qui semblait très important. Et lorsque j'assistais à une réunion, je remarquais toujours quelle était la proportion d'hommes et de femmes qui assistaient à ces réunions et combien de femmes blanches ou de femmes de couleur noire. Donc, j'ai eu l'occasion de prendre. Je m'assure toujours qu'il y ait toujours un équilibre dans les réunions que j'organise pour donner les mêmes opportunités aux gens, aux blanches, aux femmes blanches et de couleur de prendre part à toutes nos activités. Au fur et à mesure que je continuais d'avancer au sein du gouvernement et quand j'ai fondé ma propre famille, je commençais à me rendre compte de comment j'aurais pu avoir un impact pour modifier la dynamique
du genre dans mon lieu, sur mon lieu de travail, en tant que fonctionnaire de gouvernement avec un poste de bon niveau. Donc, je fais partie du service exécutif senior qui est un des postes les plus importants dans les services civils aux États-Unis. Je prenais ma licence de maternité. Je venais d'avoir une fillette. Je suis mère célibataire. C'était mon choix. Donc, je m'occupais toute seule de ma fille. Donc, et ceci représentait pour moi bien de travail et je ne vous recommande pas de faire tout cela. Mais je me suis rendu compte qu'après tout, je pouvais faire un exemple, donner l'exemple de ce que signifie être une femme qui travaille, une mère qui travaille et occupe un poste de direction à la même temps. Si je devais sortir d'une réunion pour aller chercher mes enfants à l'école, je le disais en voix haute pour que tout le monde le sache, de sorte que tout le monde se rende compte que moi, en tant que directrice, j'avais également des enfants et j'avais des obligations familiales et j'ai tenté de normaliser tout cela tout le temps. Lorsque j'allaitais mes enfants, je leur disais qu'il fallait que j'aille, il fallait que je me retire à la salle d'allaitement et que je ne pouvais pas assister à une rencontre parce qu'il fallait que je nourrisse, que j'allaite mon bébé. Et je me souviens qu'il y a des femmes qui n'avaient pas, qui avaient des problèmes. Il y a bien des femmes qui avaient un vrai problème pour trouver un équilibre entre leurs obligations personnelles et professionnelles. Donc, j'ai été privilégiée de pouvoir procéder de la sorte et tirer la meilleure partie de mes fonctions pour normaliser ce signifie être mère travailleuse. Je suis sortie de là à partir d'en 2018 et je me suis intégrée au changement des sciences agricoles, qui est un domaine qui m'a toujours passionnée. Et j'ai été directrice du jardin botanique aux États-Unis, qui est tout près de l'édifice du Capitole. Donc, avec la COVID, on a dû fermer notre institution comme bien d'autres dans le monde. Cette dynamique était très intéressante. Et je sais que si vous avez eu l'expérience d'avoir des enfants et devoir travailler en même temps et d'avoir des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, comme s'est passé pendant la pandémie, parce que les écoles étaient fermées à l'époque. Ceci m'a donné une autre opportunité de devenir leader et démontrer ce que signifiait retrouver un équilibre entre la vie professionnelle et les obligations familiales, les devoirs familiaux. C'était un moment très difficile pour moi. Les personnes qui me disaient qu'elle leur faisait plaisir de me voir si ouverte, par exemple, pendant une session pour avoir Zoom, avoir les enfants à côté d'elle et que les enfants soient là. Et je leur donnais la permission de faire la même chose parce que c'est là la dynamique des personnes qui ont des enfants. Et c'est normal après tout. Pour ce moment, j'aimerais poursuivre mon interaction que j'ai avec vous et je conclurai plus tard mon intervention. Merci, Sarah. Merci à toutes celles qui sont avec nous aujourd'hui. Je suis Sarah Khan. Je suis membre des femmes d'un chambre dans la culture et la science. Il me fait très heureux d'entendre ce rappel croix, l'intégration, la diversité en science, dans la science. Et il y a des approches multidisciplinaires pour avancer dans ce domaine. Donc, j'aimerais vous demander de réfléchir un peu sur ton parcours professionnel, que nous parlons un peu de cela, mais lorsque c'est en ce qui est de ta carrière scientifique, pourrais-tu nous parler de certains domaines qui, à ton avis, ont changé pour les femmes dans le domaine de la science et du leadership scientifique des femmes? Bien des choses ont changé. Nous sommes tous, nous avons tous presque tous les mêmes problèmes. Nous parlons de la famille et je crois que pour le moins aux États-Unis, je crois qu'il y a un grand nombre de choses qu'il faut changer pour faciliter les choses pour les femmes qui travaillent. Je me souviens de
d'être mes doctorales, maîtrise ou doctorales lorsque j'allais au restaurant qui était en face de mon bâtiment. Je m'aperçois qu'à côté de moi, il y avait une femme qui se servait de son tire-lait qu'elle allait à la salle de bain pour se servir de son tire-lait. Elle n'avait pas le choix. Il fallait revenir avec un tout petit bébé. Il fallait revenir à travailler. Il n'y avait pas de licence pour maternité à l'époque. Voilà un des principales réussites dans ce domaine. Nous avons maintenant des sites pour l'allaitement dans presque tous les bâtiments. Ce côté familial, je considère que la conversation est beaucoup plus ouverte que précédemment sur ce que signifie être une femme en science. Et je crois que nous savions, nous ne le sentons pas, mais nous ne parlions pas de ces choses lorsque nous étions plus jeunes et ceux qui m'entouraient n'en parlaient certainement pas, moins que moi. Donc, c'est une conversation que j'entendais parfois entre professeurs et dans l'académie, aux États-Unis, on parle maintenant ouvertement sur ce que signifie être une femme non scientifique. Tu participes dans ce genre de parti en tant que leader, un peu moins dans le monde de l'académie, mais le gouvernement, j'ai travaillé très fréquemment ce genre de et j'ai tenté de provoquer ces permissions lorsqu'il n'y en avait pas. Mais donc, aux États-Unis, les États-Unis est un endroit très intéressant, à mon avis, l'organisation, la USAID et l'organisation où je travaille pour la recherche en matière agricole et alimentaire est une forte représentation féminine. Mais je me demande, du côté de la science, il y a un plus grand nombre d'hommes et peut-être du côté de l'administration et de la recherche, il y a un plus grand nombre de femmes. Alors, je ne me demandais pas s'il y a quelque chose du style de vie qui pourrait faire en sorte que les hommes occupent un certain secteur et que les femmes en occupent un autre. Voilà une réflexion très importante. Il y a un élément dont tu parlais, la citation dont nous servit dans notre série de Marion White, nous pouvons voir, on ne peut pas voir ce que toi, tu ne veux pas voir. Et en réfléchissant sur la mise en marche de la science dans des organisations sans fin lucrative, on voit souvent un plus grand nombre de femmes dans ces domaines. Dans un contexte plus ample, comment se fait-il que toi, en tant qu'homme, puisses caractériser une zone d'inclusion plus ample, se fondant sur la nationalité, l'âge, le sexe, les caractéristiques des femmes? Comment pourrait-on que se reflètent ces caractéristiques dans les travaux que nous déployons pour que nous devenions, nous accédions à une plus grande inclusivité en matière scientifique et pour parler, pour prendre la parole au nom de celles qui sont sous-représentées. L'endroit le plus évident où nous avons tous commencé est dans les pratiques de recrutement et d'embauche. Donc, au moment de demander demande la définition d'un poste de travail. Nous faisons présentation en le faisant. Lorsque nous faisons les qualifications à la fin ou au début, là, c'est quelque chose. Cela fait une différence parce qu'il y a quien décide si quelqu'un décide de présenter sa candidature pour un poste. Donc, nous avons fait en sorte que ce genre de travail, on soutienne les parents pour que ceux qui sont soit des parents puissent poursuivre leur carrière scientifique. Cependant, ceci est associé avec ceux qui nous sommes responsables de l'embauche et nous devons nous assurer que tout ce soit dans la justice. Comment nous assurer que les personnes proviennent d'universités qui n'insistent pas sur la recherche agricole ou qui proviennent d'une université un peu moins importante? Comment peuvent-ils participer dans nos programmes? Donc, comme je le disais au début, il nous fallait cet apport de fonds d'un dollar pour dollar, de dollar pour dollar dans ce programme. Lorsque nous pouvons penser que les personnes qui proviennent de certaines universités ont certains avantages, mais nous pouvons quand même donner un coup de main à celles qui travaillent dans des universités
moins grandes et qui ont des populations minoritaires. Donc, nous pouvons leur soutenir et nous sommes en mesure maintenant de les soutenir et de les prendre en compte. Il nous faut rédiger les programmes de telle sorte que ces personnes ou minorités puissent vouloir prendre part à ces initiatives. Donc, de cette façon, nous faisons en sorte que les élèves souhaitent participer et appartenir à ce domaine et participer dans ce domaine de la recherche. Donc, nous souhaitons qu'ils aient le désir de participer. Quels sont les outils dont vous vous servez? Quels outils peuvent aider à encourager la participation de personnes qui ne sont pas traditionnelles, pour ainsi dire? Donc, nous avons un programme de développement de la force laborale scientifique, de la main-d'œuvre scientifique, un fellowship en matière de formation, de sorte que les élèves se sentent inclus en matière de sciences agricoles et sciences en général. Bien que nous nous centrons sur les sciences agricoles, c'est par l'un de nos programmes de fellowship qui ont des programmes de développement beaucoup plus amples, et ceci donne aux fellows la sensation, sentiment d'être pair avec d'autres et de se consacrer à divers domaines de la science. Par exemple, on était à Washington pour prendre part aux définisseurs de politique. Lorsqu'ils faisaient le design de politique et faisaient le recrutement de sorte à faire sentir aux participants qu'ils sont inclus et que nous avons des personnes avec de différentes provenances et antécédents, nous pensons plus incluant. Un élève peut se rendre compte qu'il peut étudier l'agriculture et y faire carrière dans ce domaine. Donc, les personnes voient que s'il y a même que s'il n'y a pas beaucoup qui leur ressemblent, ils peuvent voir qu'ils sont acceptés sans aucun problème. Ah, je comprends très bien. Il y a quelque chose que tu parlais récemment. Je nous ai parlé maintenant de la confiance. Je parlais récemment avec un recruteur et qui m'avait dit que les hommes typiquement font la demande d'une nouvelle opportunité lorsqu'ils ont 60 ou 70 % des conditions remplies. Une femme n'envoie que sa demande que si elle ne remplit que 90 % des conditions. Est-ce un manque de confiance de la part des femmes ou trop de confiance de la part des hommes ou les deux? Donc, nous savons que la science biologique, au fur et à mesure que nous avançons sur la hiérarchie avec la plus grande ancienneté, il y a de moins en moins de demandeuses de postes. Donc, quels seraient les conseils pour que les femmes aient mieux confiance en elles? Tu disais autrefois que tu étais jeune, tu n'avais pas confiance en toi. Que dire aux femmes maintenant pour qu'elles, maintenant, cette femme, à ces femmes, ces inspiration pour qu'elles deviennent des leaders et qu'elles aient confiance en elles. Très bonne question. Il faut commencer très jeune. On se fonde sur le schéma de la propre expérience que nous avons eue pendant l'enfance. Et lorsqu'on a plus tard, dans la vingtaine, lorsque l'on demande un emploi, on se rend compte de tout cela. Je crois que la question de ma propre confiance en moi m'a conduite. Pendant toute ma carrière, je suis introvertie, je suis timide. Lorsque je suis devant un grand nombre de personnes, il faut que je m'encourage toute seule parce que c'est difficile pour moi de prendre la parole en public. Si à l'université, j'étais toujours la plus jeune, quand j'entrais au bureau d'un professeur pour lui demander, pour l'interroger au sujet d'une recherche, j'avais honte de cogner à la porte et je n'osais pas le faire et je me retirais sans l'avoir fait. Et fait parce que j'étais trop timide. Et j'ai fini par surmonter tout cela. Mais il y a une chose importante ici. Pendant ma carrière, il y a eu des moments où parfois quelqu'un disait quelque chose à mon sujet, à mon travail, en termes élogieux, ce qui était très important pour moi. Je n'ai jamais cru être une bonne preneuse de décision dans la matière. Le premier article que j'ai écrit à l'école, je me suis dit, je ne sais pas comment, je ne sais pas écrire. Mais plus
Tard, quelqu'un m'a dit, je crois que tu es une des celles qui crie le mieux de toute notre équipe. Je ne croyais pas mes oreilles, mais comment est-ce possible? Mais je suis très mauvaise pour écrire. Mais enfin, peut-être je ne suis pas si mauvaise que ça. Je suis écrivaine. Et voilà, ceci m'a donné une très plus grande confiance en moi. Et c'est un exemple de ce qui peut nous arriver. Lorsque je vois quelqu'un qui est jeune ou qui vient d'atteindre un poste, d'accéder à un poste quelconque, il faut comprendre qu'il n'a pas toute la confiance en soi qu'il devrait avoir, que celle qui est la nôtre actuellement. Nous tendons à croire que les gens ont aussi confiance en soi que nous, mais il n'en est pas ainsi. Il me fait vraiment plaisir d'entendre quelqu'un comme toi, des personnes de l'auto-leadership, nous parler de tout cela. Encore une fois, nous parler des espaces, de la capacité de réfléchir, d'avoir l'esprit ouvert quant aux défis à relever. Il y a un espace sur lequel tu as parlé comment tu grimpais dans les arbres. Voilà quelque chose que je ne saurais pas faire. Je préfère être sous l'eau que d'être dans les hauteurs. Donc, quand je fais de l'acrophobie, je crois que c'est l'été. Nous parlons ici d'une de tes passions très particulières à toi. À quel point importe la motivation en dehors de ton travail et comment t'en sers-tu? Sers-tu de tout cela pour t'inspirer? Comment arriver à cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Si tu as d'autres objectifs qui ne sont ni familiaux ni professionnels, et comment ceux-ci te poussent vers l'avant? Je crois que c'est un luxe d'avoir une vie personnelle lorsque ton père ou une mère travailleuse est quelque chose de difficile, il faut le redire. Ma division du travail entre l'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre entre le travail et la famille, signifie avoir le temps suffisant pour le travail et pour m'occuper de mes enfants, parce que mes enfants étaient tout petits. J'étais mère célibataire et ensuite, ça a été la COVID. Alors, j'ai tout simplement abandonné la tâche. Mais il ne s'agit de survie, parce que pour moi, tout était trouver l'équilibre entre le travail et la famille. Maintenant, mes enfants ont 6 et 9 ans respectivement. Ils peuvent être restés tranquilles pendant une heure. Donc, j'aimais beaucoup danser d'un autre côté. Et j'ai pris donc des cours de danse et maintenant je prends à présent correctement. J'ai repris ces cours que j'adore et mes enfants restent tranquilles pendant que je prends mes cours. Voilà quelque chose qui aide beaucoup physiquement et je maintenir la flexibilité. Donc, c'est quelque chose que j'adore faire. So, yeah. Bien longtemps, j'ai cru que je n'y parviendrais jamais lorsque mes enfants étaient plus petits. Donc, pour faire ce genre de choses, c'est pour moi très important. Je crois pour toutes celles qui ont des enfants en bas âge, c'est quelque chose d'important. Une fois que les enfants passent d'un certain âge, vous pouvez récupérer certaines activités qui étaient les nôtres. Finalement, pour conclure cette rencontre, s'il te fallait donner un ou deux conseils à une jeune femme, à un jeune homme qui est intéressé à poursuivre une carrière scientifique, quels seraient des conseils en réfléchissant sur ta trajectoire personnelle? Pour ce qui est d'une carrière scientifique, je considère qu'il y a bien de façons d'être scientifique, de travailler en matière scientifique. On peut travailler dans un laboratoire, on peut travailler sur le champ, notre domaine, une carrière comparable à la mienne. Mais de toute façon, on avance, on supporte la science et on travaille.
sans travailler soi-même directement dans cette, dans la matière. Il y a beaucoup de façons de travailler dans le domaine scientifique. Donc, si quelqu'un tout simplement croit que la science est quelque chose de merveilleux et qu'il veut s'y consacrer, je crois qu'au moins dans ce pays, il faut être professeur d'université. Voilà une première façon d'y parvenir. Mais il y a bien d'autres moyens de le faire. Je connais des scientifiques qui ont eu des scientifiques dans le gouvernement. Travailler au gouvernement est une très bonne façon d'avoir contact avec des entreprises scientifiques. Il y a beaucoup de procédures dans ce domaine. Donc, ceci peut nous faire bien peur, mais il faudra se rapprocher des personnes qui ont eu qui ont suivi de différentes trajectoires. Et n'importe quelle d'entre eux et d'entre elles sera prête à vous parler une trentaine de minutes sur ce sujet. Donc, encore une fois, merci, merci énormément. Cette conversation m'a semblé très intéressante. J'aimerais poursuivre pour plus longtemps, mais maintenant, je passe le microphone à Isabelle pour qu'elle nous fasse connaître les questions que nous avons reçues de notre public. Merci, Sarah. Merci de cette conversation aussi intéressante. Maintenant, nous donnerons la parole à ceux qui ont des questions à poser. Vous pouvez lever la main, allumer le microphone, notre caméra, ou là encore, ou nous écrire par Slido, en capturant avec un caméra le code QR que vous voyez sur l'écran. Par Slido, la question que vous avez reçue, vous avez une interaction avec CIMIT au cours des années, dont en tant qu'une personne qui est en dehors, externe à CIMIT, quel changement avez-vous et quelle est votre opinion que, à votre avis, est quelque chose que nous pourrions améliorer dans notre travail? Très bonne question. Lorsque je travaillais dans le USAID, pendant quelques années, je consacrais beaucoup de temps à collaborer avec le personnel de CIMIT. Dernièrement, je n'ai pas eu directement cette opportunité. Donc, je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de voir à quel point les choses ont changé chez CIMIT. Lorsque je travaillais au Sud-Est asiatique avec des personnels de CIMIT qui jouent un rôle de direction dans le programme des CSAT, de CSET, j'étais très intéressée de voir qu'ils faisaient le travail sur le champ pour les études de genre et considéraient les nécessités, les besoins des femmes agricultrices. Donc, lorsque je faisais une visite sur le champ, il y avait des centaines de femmes qui accouraient converser avec nous. Donc, voilà donc le travail que j'ai vu sur le champ où l'on encourageait la participation des productrices agricoles. C'est un travail incroyable. Et je crois que CIMIT continue toujours de travailler dans ce domaine. Maintenant, je voudrais une question personnellement de Vimbayi Shimonya. Merci, Sarah, de cette intervention. Ma question trait à ce qu'il y a un moment où les femmes deviennent enceintes et après avoir eu des enfants, ils mettent longtemps à se réintégrer à leurs activités. Il y a bien des femmes, un grand nombre de femmes qui ne reviennent plus travailler après avoir eu des enfants. Est-ce qu'il existe un fonds de soutien où les femmes fondent une famille tout en sachant que ceci affectera leur vie professionnelle? Y a-t-il le moyen pour elles de demander un soutien pour obtenir une licence de maternité? Parce qu'il y a des femmes qui souhaitent déployer les deux genres d'activité, fonder une famille et en même temps travailler un côté scientifique. Et il est souvent nécessaire pour elles de choisir entre les deux. Y aurait-il moyen que les femmes n'aient pas besoin de choisir, de faire un choix entre l'une de ces deux? Ah, voilà une question très importante. C'est absolument possible. Je dis cela parce qu'il y a un grand nombre de pays au monde qui offrent des bénéfices, de magnifiques bénéfices en matière de licence de maternité et de paternité. Et ceci parce qu'il y a des lois qui soutiennent qu'on ne peut pas faire l'objet de discrimination pour avoir obtenu une licence de maternité ou paternité. Il y a des pays qui n'ont pas ces bénéfices ou parce que ces lois n'existent pas là-bas. Donc, ceci doit faire partie de la législation d'un pays, c'est devenir une attente
normal, de sorte que ce n'est pas soit quand elle travaille à l'université ou dans un autre domaine, ils aient l'opportunité de fonder une famille et de renouer leurs activités professionnelles. Un grand nombre de pays au monde n'offrent pas ces bénéfices. Je crois que les organisations peuvent être créatives en recherchant la façon d'inclure ce qui est pour eux un bénéfice pour leurs employés féminines. Lorsque je parle pour la Fondation sur la recherche, l'alimentation et l'agriculture, on travaille sur des politiques sur les licences de maternité et paternité. On l'a cru une couple de mois après mon arrivée et l'on protégeait hommes et femmes qui souhaitaient fonder une famille. Donc, je crois qu'il y a d'autres institutions. S'il n'y a pas de structure à l'échelle nationale ou étatique, il y a des institutions qui pourraient réfléchir sur tout cela pour elles-mêmes et ce serait utile tant aux institutions comme aux femmes, comme aux personnes qui ont des familles dont s'occuper. Il y a des femmes scientifiques merveilleuses qui abandonnent leur carrière parce qu'ils sont obligés de s'occuper de ce genre d'activité. De se consacrer à ce genre d'activité. Une autre question par Slido. Est-ce qu'il faut une plus grande conscience de la diversité en matière scientifique, en particulier entre leurs organisations féminines? Comment impliquer les hommes qui sont conservateurs pour qu'ils participent plus activement dans tout cela? Oui, les institutions scientifiques font maintenant plus attention aux femmes pour offrir plus grande inclusion féminine. Aux États-Unis, hommes et femmes participent à ces conversations et ceci est extrêmement important parce qu'on déploie de très bons travaux sur les raisons pour lesquelles il est important d'avoir des organisations diverses, inclusives sur les lieux de travail. Une bonne part des travaux déployés est orientée par les données dont on dispose. Il y a des personnes qui ont une formation scientifique, une façon de l'aborder et de faire connaître les données correspondantes pour faire comprendre comment le lieu de travail serait plus positif, plus fécond. Donc, il y a parfois d'autres femmes pour qui les données ne sont pas aussi importantes. Il est important de savoir ce qui est important pour les femmes qui travaillent d'une façon diverse, les genres de soutien qu'elles ont reçus, comment elles se sentent lorsqu'elles ne reçoivent pas les soutiens auxquels elles croient avoir droit. Tous les hommes ont des hommes, des femmes, ont des mères, des sœurs ou des femmes. Se prendre de voir que sa côté personnel peut faire changer leurs émotions et leur mentalité et leur faire comprendre qu'il est bon d'avoir un lieu de travail diversifié. Ceci nous pourrait nous conduire à des exemples réussis de femmes qui fondent une famille et il y a plusieurs façons dont les femmes se consacrent à leur famille. Mais je crois pour voir tout cela dans le domaine, dans le contexte du travail, peut nous aider à quitter ces préjugés en ce sens que les femmes doivent choisir et qu'une femme qui a des petits-enfants est moins responsable qu'une autre. Cela sont des préjugés en lesquels je ne crois pas. Il y a une espèce de... Aux États-Unis et dans d'autres pays dans le monde, et il y a une espèce de réaction, une réaction violente contre contraire à l'inclusion et ce genre de politique. Que pouvons-nous faire? Voilà une question très ample, très vaste, qui comprend un grand nombre de phénomènes et de facteurs. On parle beaucoup de comment contribue à ce qui contribue à cette rupture entre le discours de la société. Lorsque nous voyons ce genre de recul, cette réaction, il faut comprendre pourquoi se sent-il menacé par ce genre de conversation. Pourquoi croit-il que parler d'équité et d'inclusion est quelque chose qui n'a aucun bénéfice pour eux? Il m'a été utile de me mettre à la place de l'autre personne. Je me demande s'il s'agit de vraiment qu'il y ait aussi des problèmes aussi des
des problèmes financiers et n'est pas disposé à écouter la question, à parler des femmes parce que c'est compliqué, parce qu'il parce que c'est très difficile pour cet homme d'essayer de soutenir financièrement leur famille. Il y a des hommes en désavantage, mais il est important de considérer que les hommes doivent également participer à ce genre de conversation. Alit, ouvre ton caméra, nous t'écoutons. Merci. Personnellement, je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas une scientifique, mais je travaille pour soutenir des organisations scientifiques. Donc, et je me demandais, moi, je me demandais si je me suis rendu compte que parfois, il y a que je suis préoccupée parce que les femmes où nous sommes demandons trop aux femmes où nous leur en demandons trop dans le cadre de ces organisations, parce que bien souvent dans un groupe de 20, il y a 3, 4 ou 5 de femmes dans le groupe. Et nous nous avons nous assuré que l'on écoute la voix des femmes, qu'on écoute leur voix, mais ceci implique parfois leur demander de travailler encore plus fort. Comment obtenir cet équilibre entre donner l'empowerment à leurs femmes et leur fournir une plateforme d'interaction? Donc, comment y parvenir si l'on est scientifique, mais sans avoir besoin de travailler beaucoup plus que les autres? Je sais exactement ce que tu veux dire et j'ai déjà entendu ce genre de commentaires. Et en voyant les membres, le panel ici, je me rends compte parfois qu'on m'invitait tout simplement pour par honneur à la diversification, à la diversité. Ben, parfois, il s'agit d'avoir une plus grande diversité et d'inclure des membres plus jeunes. Mais lorsque nous invitons aux personnes à participer, s'ils ne peuvent pas, on peut leur dire au sens que je sais que tu es occupé, que tu ne peux pas, mais est-ce que tu n'as quelqu'un qui pourrait le faire et dont l'opinion pourrait être intéressante pour nous? Ceci pourrait nous permettre de nous rapprocher de personnes qui remplissent peut-être pas les conditions requises, mais nous pourrions dans ce cas inviter quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un qui n'occupe peut-être pas un poste aussi élevé que celle que nous prétendions contacter originel au début. Et donc, ceci pourrait favoriser une plus grande diversité, une diversification. Nous faisons aux femmes qui sont mentors et de participer à nos discussions. Ce serait une arme très puissante pour les hommes et femmes qui aimeraient avoir l'opportunité de participer. Il faudrait connaître des perspectives différentes. Inviter un homme qui nous parle de son travail pour avancer en matière d'égalité de genre c'est quelque chose aussi qui est très important. Merci. Une autre question. Est-ce que tu as pu recevoir, si tu as reçu des conseils de quelqu'un, aurais-tu pu recevoir des conseils de quelqu'un d'autre? Quels auraient été ces conseils que tu aimé recevoir? Une autre question, quels ont été les principaux obstacles rencontrés lors de ta carrière professionnelle et quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes femmes professionnelles qui pourraient connaître des problèmes comparables aux tiens? Ben, s'il y a un conseil à donner et qui m'a été très utile, lorsque je travaillais en maîtrise, j'avais dit à quelqu'un, tu peux faire ceci, tu peux obtenir cela. Ce récit m'aurait été très utile. Mais il y a quelque chose que je dis souvent aux femmes, au gouvernement, à travers un fellowship, tel comme je l'ai fait en matière scientifique. Si tu vois quelque chose sur la table, prends-le. Il y a souvent des obstacles, mais il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Les personnes de moindre hiérarchie n'osaient pas s'approcher à nous. Je me suis rendu compte, comme je représentais mon agence, j'occupais une place à cette table de discussion et ils me faisaient jouer ce rôle. Mais je me demandais, mais je me souvenais que quelqu'un a le droit de parler
pour en représentation du domaine où ils travaillent. Donc, parfois, il nous faut prendre la parole, tirer plein parti de l'opportunité qui se présente, et même si ceci est parfois incommode, inconfortable. Donc, si nous sommes toujours là, peu à peu, avec le temps, on voit que les choses pourront changer si nous procédons de la sorte. Merci, Sarah. Merci, Sarah, de cette magnifique conversation. Merci encore une fois. Nous apprécions de nous avoir fait connaître ton expérience professionnelle en tant que leadership, dans le leadership pour trouver l'équilibre correct entre le travail et d'autres sphères du travail qui sont la vie personnelle. Donc, merci encore une fois de ton temps, de tout temps que nous nous a consacré. Merci à toutes les participantes. Nous invitons à notre prochaine motrèche sémitaire pour catalysatrice du changement, femme leader en sciences. Quand j'ai l'opportunité, j'aime beaucoup. J'ai acheté des pêches, des pommes et des fruits rouges. J'aime savoir ceci dans mon domaine en Virginia ou Maryland. J'aime les endroits où l'on choisit ce que l'on va acheter. C'est une expérience que j'adore ma femme, pour ma fille et moi. Mais c'est très peu de revenus pour les producteurs locaux qui se consacrent à tout ça. Non seulement ils vendent les choses qu'ils produisent, mais aussi il faut toucher des revenus pour l'admission à le forum. C'est une façon d'aider directement les producteurs. Et c'est si ça et Moms, nous sommes un groupe de femmes, nous sommes toutes mères de famille, mais c'est aussi scientifiques ou écrivaines scientifiques, et nous réunissons depuis plusieurs années déjà. Et l'expérience de travail ensemble nous a fait de nous rendre compte que nous voulions faire travailler plus à fond dans cette matière. Il y a tant de produits et de ressources en communication de la science disponibles pour les mères et les gens qui travaillent dans les garderies, pour les jardins d'enfants, pour la société en général, travailleuses dans les magasins, ou les gens qui possiblement ne sont pas intéressés dans la science, mais qui ont quand même des questions à nous poser. De cette façon, travailler beaucoup pour recueillir les ressources de plusieurs sujets et questions et la mettre à la portée de toutes et tous. Je vous réussis à notre prochain séminaire de la série catalysatrice pour le changement le prochain 13 février.